Ok, salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion. On est là pour faire des fusions. Donc aujourd'hui, le challenge des 500 dips en moins de 30 minutes. Que Gijo a relevé. Donc je me suis lancé le défi, en ce moment ça tourne. Il y a eu plusieurs défis ces derniers temps qui sont sortis sur la plateforme. Mais tous les youtubeurs ne suivaient pas. Et celui-là, il est en train de prendre un peu là. Ah, il prend un petit peu d'ampleur là. Ah, il y a Double Dragon qui l'a fait. Eric Flag. Bazinga. Et je crois qu'il y a... Comment il s'appelle? KS Coaching Cash. C'est ça. Et il y a Jean-Pierre Pernaud qui l'a fait. Il va pas tarder à le faire. Donc à part le défi des pompes qui avait bien pris où on a fait un classement, les autres ont pas tellement suivi. Les burpees, on en parle même pas. Il y a personne qui les a fait. Et les squats non plus. Pire truc à faire. Donc voilà, on a vu que ça allait prendre. On s'est dit qu'il y avait un petit mini buzz à prendre. On surfe sur la vague. Marvel, il nous a Exactement. Bien appris. Donc on a fait ça le plus rapidement possible. Et on vous laisse avec la vidéo. Les 500 dips de Gijo, c'est parti. L'échauffement est terminé. Rappelle-nous à quelle heure est-ce que tu es parti faire le challenge. Déjà, je pense que c'est important quand même de souligner. Ah, alors, bah, je vous explique. Je me suis dit que le challenge là, il fallait le faire pour faire des vues, pour attirer du monde sur la chaîne. Donc, j'avais pas le temps. On était samedi. Je devais passer la journée à 8h du matin chez mon frère pour aller faire le maçon. Je sais pas si t'as vu ma dernière story Instagram. Marteau piqueur et tout, hein, les mecs. C'était n'importe quoi. Fini les coachings, là, j'arrête d'être coach sportif. Je me mets dans la maçonnerie. Et donc j'avais rendez-vous à 8h chez mon frère pour dégommer sa maison. Et j'ai vu ce challenge, je me suis dit qu'il fallait pas le louper. Après les travaux, ça aurait pas été possible de le faire. C'est vrai, t'aurais été trop mort. J'aurais été cassé, là j'ai des douleurs partout. Oui, sinon. Du coup je suis parti à 6h, là il était 6h30 du matin sur la vidéo. Et je suis parti faire des dips juste avant de travailler. Donc j'avais pas mangé, j'étais à jeun gros, je suis parti. T'es un grand mal. On va chercher les 10K. Est-ce que tu te sentais motivé aussi quand y allais? Bah franchement, vraiment. Il faisait beau, petit soleil en plein parc, ça fait plaisir. C'est moi vrai j'aime ça bien. Ça fait plaisir. Le seul truc qui me dérange dans ces challenges, bon c'est bien on partage avec les autres youtubeurs, mais je déteste me comparer aux autres. Moi ce sport là je l'ai apprécié justement parce que je travaille pour toi, tu c'est vois. Vrai. J'ai arrêté les sports de compétition et là on est en train de retrouver un peu de compétition sur YouTube. Bon c'est marrant, hein, mais il y a l'ego qui rentre en jeu et puis on a l'impression bien de pas sûr. Jouer avec les mêmes cartes que les autres. Ah, j'aime bien quand il parle comme ça. Non. Franchement, pour tous ceux qui ont fait et qui ont relevé ce défi, je pense pas qu'il y en ait un qui menteur. Qui est dans le dopage. Il ment. Ils sont tous naturels. Il ment. Bazinga, il ment. Ok. Tu peux me rappeler le score de Bazinga? Parce que non, c'est là-dessus trop, qu'on a un c'est doute. C'est trop. Il a fait 300 pompes en 10 minutes. Ah, il fait des pompes et des dips. Des dips, c'est bon. Il fait tout en même temps, lui. De toute façon, il est trop fort, frère. 300 dips en 10 minutes. En 10 minutes, 300 dips. Waouh. Donc là, nous, on en est à 41 dips pour 2 minutes 11. T'en penses quoi? Eh, si tu commences à le rattraper, je vais avoir des doutes, hein, je te le dis. Là, dans la vidéo, je te le dis tout de suite. Hein. Pour l'instant, combien je t'ai dit de. Là, t'es déjà à 45-50 pour 2 minutes. Si t'atteins 300, la vie de ma mère que je te jette de chez moi. Bah, pour l'instant, les gars, on est pas mal. Donc, restez bien là. Je pense qu'il y a moyen de faire un bon score sur les dips. Je suis plutôt à l'aise sur ce mouvement. Bah, sur ce groupe musculaire. Parce que les dips, j'en fais pas vraiment énormément. Mais les pectoraux, c'est mon point fort. Pectoraux. Donc là, on doit être à une cinquantaine de dips. Je commence c'est à enlever ça. La veste. À 100 dips, j'enlève le pull et ensuite j'enlèverai aussi le shirt. Donc le reste est là. On les chauffe. C'est des mecs, hein, mais on les chauffe c'est quand vrai. Même. C'est je sais que vous voulez voir des biceps quand même. Moi, mes pronostics, honnêtement, c'est qu'arrivé à 10 minutes, tu vas être à 200, je pense. À 200 moi, à 10 minutes. Moi, tu devrais être à 200. Oh, Inch'Allah. Comment ça, Inch'Allah? C'est toi qui l'ai fait. Comment ça, Inch'Allah? Je l'ai fait hier, je me souviens plus où j'en étais. Mais j'espère faire un bon temps. Mais franchement, l'épreuve était dure. Mal, regardez là, je me caresse les pecs, je les ai mis là, c'est ça. T'aurais dû prendre le pistolet entre deux. Ouais, mais je perdais du temps sur les pompes avec ça. Ouais, en sur les pompes, massant. T'as vu toi aussi. Là, c'était les trapèzes qui tiraient l'épaule. Tu sais que je ressors d'une tendinite aussi. C'est vrai. Là, ça commence. Moi, ça commence doucement. À aller mieux. Pourquoi toi aussi t'as tendinite? Ouais, j'avais mal aussi à l'épaule, mais ça va vachement mieux. Moi. Ah, mais ça va passer. Moi, là, j'avais des petites douleurs sur le moment, mais j'y suis quand même allé. Je me suis dit, allez, les mecs, si on veut les 10K, faut faire les sacrifices, faut aller les chercher. Tous les jours, faut publier, faut faire de bonnes vidéos, du bon contenu. Je sais que ça vous plaît, les challenges en ce moment. Donc, on est parti, hein, 6h30 du matin, tendinite ou pas, entraînement ou pas, faut y aller. D'ailleurs, est-ce que tu as eu des sacrées courbatures? Trapèze, épaule, ouais, franchement, mon sérieux. Mais sur le moment, là, tu vois, on est le lendemain. Ça va mieux? Ça va, je sens que mes pecs ont bossé, mais ça va. Il y aura des petites contractures dans la journée, en plus, tu t'as fait derrière, ça doit pas être facile. À la veille, on avait fait le dos, et là, je commence plus à ressentir mon dos, tu vois. En général, les courbatures, c'est 2-3 jours après. Zéro douleur. Bon, l'entraînement Fitness Park sort bientôt, un dimanche normalement.
N'oubliez pas non plus, il y a le giveaway qui est sur la chaîne. On vous donne encore 200 euros. Aïe, on vous a laissé. Ça fait 3 mois là. Non, non, on vous a laissé 10 jours là. La vidéo est sortie mercredi dernier. Donc cette vidéo là sort mercredi. Il vous restera 3 jours pour participer au giveaway. C'est ça. Au pire, si on prolonge un peu, mais allez, c'est pas grave. On a prévu. Non, non, on reste sur 10 jours pour les plus fidèles. Donc là, on a 71 dips pour 4 minutes 35. Oh. Tu penses que c'est un bon score pour l'instant? 60 pour 4, non. Non. Non, non, ça sent pas bon. Ah, là, ça sent pas bon. Ah, là, ça pue, les mecs. Là, déjà, ça sent pas très bon, là. Mais franchement... Pourquoi t'as pas mangé, toi aussi, déjà? Non, mais même, ça aurait rien changé, les gars. Là, je vous dis, tendinite, j'ai pas mangé et tout. Vous allez prendre ça pour des excuses. Mais même sans tout ça... Mon score aurait été à peu près pareil. Non, je pense que tu aurais pu faire mieux. Non, faut savoir qu'en ce moment, cette année-là, l'année 2019-2020, on est en 2021 ? On est en 2020, gros, qu'est-ce que tu me racontes ? Alors, cette année 2019-2020, c'est l'année où je me suis le moins bien, pas entraîné, mais surtout au niveau de la diète où ça a le moins bien suivi. Donc, je sais qu'actuellement, je ne suis pas l'athlète que j'étais l'année dernière. Pas entier, viens vers moi. Arrête, viens. Viens. Je cherche à me toucher. Donc, je disais... Je suis pas aussi performante l'année dernière, mais ça m'intéresse de vous montrer quand ça va pas trop en ce moment physiquement et même au niveau de mes perfs. Parce que l'année prochaine, vous savez qu'il y a le Road Bazinga qui va arriver. Pimous y participe aussi. Bien sûr. C'est sur quel objectif ? En performance, il faut que je le dégomme. Donc, il va essayer de rattraper Bazinga sur ses performances, donc squat, développé couché, soulevé de terre. Et moi, c'est au niveau de l'esthétique. Donc cette année, on va faire une grosse année au niveau de la musculation. Diète parfaite, sommeil parfait et entraînement parfait. Les entraînements, ils vont être violents. Hein. T'as signé, hein, même le sommeil. Violents, hein. Sommeil, on respecte. Sommeil. Hein. Moi, même si je me couche à 3h, j'ai mes 10h. Hein. Ah, il faut. Ah, moi, quoi qu'il en soit, j'ai mon 7 heures minimum de sommeil si vous voulez être sûr de faire du muscle. Ah, t'inquiète, je peux me permettre. S'il n'y a que un des trois piliers là qui sont respectés, les gars, vous n'allez pas progresser. Sommeil, alimentation, entraînement, c'est le plus important. C'est ça. Donc cette année, on s'y met à fond pour rattraper Bazinga. Et vous verrez que lorsque je me sentirai prêt, je referai tous ces défis. Challenge pompe, challenge traction, challenge squat, et j'espère que Pimous va me suivre. Si on fait les dips, on se met toi à côté, moi à côté, on les fait ensemble. Challenge dips, il n'y aura pas beaucoup de montage sur les vidéos, on va vous les publier tel quel, juste pour vous montrer de quoi on est capable quand on est en forme. Cette année, on a focus YouTube, on espère que ça vous fait plaisir, on vous sort du bon contenu, on l'espère, en tout cas c'est ce qu'on pense. En tout cas, vos retours commentaires nous font plaisir. Et voilà, donc on espère que l'année prochaine, on sera prêt à faire de meilleurs chronos. Là, pour l'instant, on en est à 7 minutes de dips. Ah là, le score, il n'est pas terrible, j'ai vu. On était à combien? On était à 90, je crois. 90 pour 7 minutes. C'est pas la folie. Hein. Les gars, c'est parce qu'on se compare à Bazinga et à Double Dragon qui fait du street et à Red Flag qui fait du street. Moi, Bazinga, je suis un mec de la salle. Franchement, tu me dis 100 dips en 8 minutes, plaise. Ma mère, je prends 100 dips en 10 minutes. Voilà, je suis bon. Après, vous allez peut-être trouver que c'est pas terrible comparé à ces mecs-là, mais c'est des machines, ces mecs-là. Ouais, moi, j'espère atteindre ce niveau-là l'année prochaine. En attendant, je vous mets ça sur YouTube, et comme ça, vous verrez que quand j'aurai un bon score... Autant, Double Dragon, Eric Flack, c'est des machines, je suis d'accord. Bazinga, je suis sûr, il est infirmier à côté, ce menteur. Il est infirmier? C'est sûr, il vole des seringues. Ah, genre, il y a une pharmacie dans son tiroir. C'est sûr. Moi, je pense pas, les gars. Mais t'es un fou, toi. Dites-nous en commentaire, vous, ce que vous en pensez. On a déjà l'avis de certains. Ah ouais, t'inquiète, l'avis, on l'a. Il y a Marvel qui ironise beaucoup là-dessus, mais même lui qui a le Sharingan, tu sais qu'il a le don du Sharingan. Il en doute zéro, je le sais très bien. Il sait qui est dopé, qui ne l'est pas. C'est particulier. Personnellement, j'ai été validé. Hein. Génétique Golden, pas dopé. Oui, bah oui. Et il a aussi dit de Bazinga qu'il était naturel. Non. C'était dans l'ironie qu'il a fait la vidéo. Moi, je dis faites confiance à Marvel. C'était dans l'ironie. Il analyse très, très bien. Il l'a fait dans l'ironie. Fou, ouais, pour certains, c'est ce qu'on Moi, je vais pense, dire une seule chose. Bizarrement, Bazinga, tu vois son évolution sur plusieurs années. Il y a des photos de toutes les années. Et d'un coup, il y a un trou de 3 ans. Mais 3 ans après, tu le vois, c'est un monstre. Parce qu'il y a des années. Tiens. Tu sais, qu'en début, je me prenais pas en photo, moi. Non, mais lui, ça faisait déjà 5 ans qu'il avait commencé. Ah ouais. 4 ans, hop, le mec, il est touche d'ide. Tu vois qu'il a déjà un bon physique. Et en 3 ans après, alors que ça fait déjà 4 ans, il pratique, il arrive encore à exploser. Moi, je trouve pas qu'il a explosé énormément. Et dans son discours, moi c'est son discours qui me convainc, hein. J'ai vraiment l'impression que c'est un mec qui se donne, qui est honnête, qui est sincère. Ouais, non, même pas qui se donne. Qui se donne. J'aime bien, qui se dope bien.
Bon, en tout cas, là, vous êtes sûr d'avoir un mec Nati qui se lance sur le défi. Le score va refléter ma naturalité, hein, vous allez voir. Mais j'ai peur que tu les aies pas. J'ai pas envie de vous spoil, mais là, on a 9 minutes pour 106 dips, je crois. Donc, on continue la vidéo avec vous. On espère que ça vous fait plaisir, ce petit montage. J'aurais voulu que Pimous soit avec moi sur, sur l'épreuve, ça m'aurait aidé. Il aurait pu compter en même temps. Impossible. Et en à plus, 6h30 du matin, un week-end, il y a une vie de famille. C'est, ce que j'allais dire. Savoir qu'il y a 6 enfants, trois enfants, un les frères. 3 et les 3 autres. Non, c'est pas, il faut pas les compter. Ah, c'est une semaine sur deux. C'est parce que c'est les deux sexes en même temps. Parce qu'il y a 6 femmes. On m'a tiré des problèmes. Il y a mis des enfants un peu partout. Donc. Là, on a essayé de faire comme ça pour ce challenge. C'est beaucoup plus facile pour nous, pour le montage. Donc, dites-nous si ça vous plaît de nous avoir comme ça 30 minutes avec vous. Il y a juste des cuts à faire. Où on blablate. On sait même pas si on va cuter. Hein. Au final, ça, on dirait qu'on fait un live. Là. Ils apprécient peut-être ça. Hein. On pourra peut-être le mettre en première et regarder la vidéo en même temps que vous. N'hésitez pas à nous parler dans les commentaires. On vous répondra tout de suite. Moi, je pense que tu aurais pu faire un meilleur score. Tu sais, quand tu as fait le road to Pimous, que t'afficheras à l'écran si tu veux ou pas. Je pense vraiment que t'aurais pu faire un meilleur score, t'étais plus massif, t'étais plus fort, t'étais beaucoup plus puissant. Là je vous explique, moi j'ai toujours travaillé en endurance et volume musculaire, donc du 10-12 reps. En ce moment, ça fait plus d'un an que je suis sur la force, j'aurais dû raccourcir mon cycle de force. Un cycle de force, normalement c'est 1-3 mois. Ouais c'est ça. Mais j'ai aimé progresser sur mes charges et j'ai continué là-dessus. Ah non, j'ai pas su reprendre le volume. Mais du coup, je suis devenu moins endurant et je le ressens sur tous les challenges que je fais. Tu fais en 10-12 là? C'est-à-dire en 10-12. Là, tu travailles en 8, en combien? En 6-8, 10-12? Je suis plus proche des 4-6 que des 8-12. Ah ouais, non, t'es un malade, ouais, moi je fais pas ça. Mais en fait, premier et deuxième exercice, c'est là-dessus. Et ensuite, je vais chercher un peu les 10-12 reps. Et c'est pour ça qu'en endurant, j'ai beaucoup perdu alors qu'avant, c'était mon point fort. Même moi, j'ai jamais fait mais ça. Eh, Pimous, c'est pas grave, l'aventure est longue. Des défis, il va en avoir, on va en refaire. Ceux-là, on va les refaire parce que c'est pas l'image que je veux montrer sur YouTube. Je sais que je peux faire beaucoup mieux que ça. Là, on est à 11 minutes pour... Combien de dips, t'as pas vu? 120, je crois. 120 dips, donc je sais que je peux faire mieux. Gars, je vais vous montrer. Triple. Ouais, mais lui, c'est abusé. Lui, c'est pas un humain, je pense. Quand je sais qu'il a fait 500 dips en 20 minutes, wesh, il en faisait combien par minute, en fait? Trop, frère. Trop. Il faisait 7, il descendait, il disait pas encore. La vitesse à laquelle il faisait les dips. Moi, mon problème, c'est que j'ai l'habitude de travailler en volume et regarder bien la descente. Bon, là, je fais un petit... Même t'es bien lent. Là, je t'aime. Voilà, tu vois. Là, je récupère, mais vous allez voir. Il faut bombarder, gros. Lorsque je fais ma dips, je contrôle l'excentrique. Moi, je cherche à prendre du muscle. Je suis pas vraiment en compétition. Mon mental est pas vraiment prêt à essayer de battre les autres. J'aime bien faire la musculation, c'est du plaisir pour moi. Mais je me suis pas mis en mode guerrier, faut que je batte tout le monde là-dessus. Et regardez là, je me promène. Qu'est-ce que je fais? Mais va faire des dips, on est à 12 minutes. T'as combien là? T'avais pas un peu froid là? Non, il faisait bon, franchement, petit soleil, c'était pas mal. Agréable, il y avait personne. On va voir, t'as combien là? Attends. Regardez la descente. Et on contrôle. Ouais, et on contrôle. Ouais, mais... Après, t'as la tendinite, tu peux pas te permettre de descendre trop vite, tu vas t'arracher l'épaule. Mais franchement, je l'ai 135. Pas senti sur les exercices, donc ça va. Oublie pas, 20 minutes, faut rallumer la caméra. Yes, t'inquiète. La tendinite sur mes dips, je la sentais pas, donc ça allait. J'avais plus peur qu'autre chose. Moi, le seul problème que j'ai avec ces challenges, c'est que j'ai toujours peur d'arriver à l'échec et derrière de pas pouvoir en passer une. Du coup, j'enchaînais pas trop vite. Je sais pas combien de temps je prenais de repos. En général, je crois. Je suis sûr, à la fin, il va commencer à envoyer les dips par 35. On va rien voir, regarde bien. Ah, ça, on sait pas. Hein. Pour l'instant, je vous donne pas mon score, les gars. Mais qu'est-ce que je disais? Que t'étais la puissance, t'inquiète. Ouais, la puissance, t'inquiète. Non, c'est pas ce que je disais. Je sais plus. Qu'est-ce que je disais? Que tu descends trop, frère. Tu descends trop. Tu étais trop lent là. Ton mouvement, il était lent, gros. Ouais, non, je comprends. Mais ça va encore. Faire ça du va muscle, encore. Lui. Et ça chantonne. Là, ça chantonne. Hein. On n'a pas le son. On a coupé. Là, il kiffe. Là, petit matin, 6h du mat, petit soleil. Faites le sport au matin, les gars. Franchement, vous l'avez fait au moins. Vous êtes tranquille pour la journée. Vous êtes en forme pour toute la journée. C'est trop bien le matin. Non, le matin, non. C'est pas fait pour dormir, les gars. Le matin, ça commence à dire pour moi. Faites votre séance de sport. C'est là où vous avez le plus d'énergie, en vrai. Au début, c'est dur, mais habituez-vous. Vous allez voir, ça va venir tout seul. T'es fou. Quand je suis en ambulance, je le faisais. C'est soit t'es fatigué le matin après ta séance et t'es mort pour le travail, soit t'es mort à la fin de la journée à cause du travail et t'es nul à la séance. C'est au choix. Soit t'es nul au travail, soit t'es nul pendant ta séance. Ça va être bon à la séance, moi. Ouais,
ça dépend. Bon, là, on a enlevé le t-shirt. Hein. C'est pareil, physiquement, je me trouve pas top. Hein. Là, les gars, vous allez peut-être dire, ouais, il y a des petits bras, il y a des bons bras, il y a des bonnes épaules. Bon bras, bon pec et bonnes épaules. Mais je sais que je peux faire mieux, les gars. Moi, je vous le montre parce que je m'en fous d'afficher mon physique sur YouTube. T'es malade, toi. Tant que j'ai pas du bide, ça me dérange pas de publier ça sur internet. Mais je sais que là je suis vraiment pas au top du top, je peux faire beaucoup mieux. T'es connu plus massif. Bah oui, mais c'est pas grave. Quand je vous montrerai, quand je serai vraiment en forme, quand j'arrêterai de... Bah là, Pimous il est revenu sur la chaîne justement pour m'aider parce qu'on était passé à 2 vidéos semaine. Et je gérais les montages sur les 2 vidéos. Là, Pimous il va s'occuper d'une vidéo, donc j'en aurai plus qu'une à faire dans la semaine. Ça va libérer du temps pour l'entraînement. Ça va libérer du temps, je vais pouvoir focus les entraînements comme avant. Pour remanger correctement. Et là, l'année prochaine, toutes les conditions sont réunies pour faire du sale à l'entraînement et bien manger. Je suis d'accord avec toi. Il va devoir repasser à 3000 calories et moi 1500 biscuits. Pourquoi ? Il faut un chute. Ah ouais, t'as pris un peu de poids alors pendant le confinement. J'ai pris un peu. Hein. c'est que tu vas vite revenir. C'est pas que j'ai pris du poids, c'est que mon poids a presque pas bougé. Mais pendant 2 mois, je me suis pas entraîné. Si mon poids a pas bougé, c'est qu'il y a un problème. C'est que j'ai remplacé du muscle par de la graisse. Ouais, t'as perdu du muscle, t'as pris de la graisse. J'ai pris de la graisse à la place. Bon là on a 15 minutes et on a fait 159 dips. Donc ça veut dire que si on doublait ce score, merde, là, en fait, hein. On en serait à les maths, 318. T'inquiète, dans les environs. Donc 318 les gars, ils ont fait 500 dips pour Double Dragon en 28 minutes et pour Bazinga en... Il avait bientôt fini. Hein. 20 minutes. C'est abusé les gars, c'est abusé. Bon mon score, vous commencez à comprendre. Il va pas être terrible, mais on fera quand même un classement si le challenge continue à tourner sur les youtubeurs. Donc si vous participez à ce défi, sachez que vous serez dans le classement si vous avez au-delà de 2000, 3000 abonnés. Ouais. Donc 3000 abonnés. Tous ceux qui ont au-delà de 3000 abonnés, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires de cette vidéo votre score. Comme ça, on vous mettra dans le classement des dips comme on a fait pour les pompes. La vidéo, tu sais qu'elle a fait 31 000 vues. Les pompes ? Ouais. Ouais, j'avais vu. Et la deuxième, 15 000. Non, le classement, il a monté. Ah ouais, il continue à monter. Il a 31K, là. Donc, si vous voulez gagner un peu de visibilité, ceux qui ont 2-3K vues, nous, on va bien délirer à faire ce classement, à opposer les youtubeurs. Bon, je pense pas être bien classé cette fois-ci. Bah, déjà, sur les pompes, je crois que j'avais fini 8e, 6e. Ça va. Mais bon, c'est pas grave, l'essentiel c'est de participer. C'est déjà de l'avoir fini les 1 heure parce que tout le monde les a pas finis. C'est ça en plus. Et au moins, on se montre au feed game. Notre nom Fitness Fusion il commence à prendre de la place sur la plateforme. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce que tu racontes ? Et regarde la caméra. Va faire des dips, on t'a déjà dit. C'est le mec qui se balade. Non, là, moi, je crois qu'il est bien. Moi j'étais en détente, c'était le matin. J'avais les travaux à faire. Je suis sûr que tu te rendais pas compte des minutes qui défilent en plus. Non, il y avait personne pour m'indiquer le temps et putain. Tout. Pour ça, j'aimais bien quand j'étais avec Bastos, il me chauffait un peu. Bon, sauf pour les tractions, il voulait que je perde. Mais pour les pompes, il m'indiquait le temps, ça m'aidait un peu. Eh, t'aurais dû passer à la maison avant, je t'aurais fait une injection, un peu de C4. Hein, touche pas à ça. Monsieur. Même un booster, même un café, je l'ai pas pris avant la séance. Rien que ça, j'aurais pu au moins. Un petit pré-workout là, ça t'aurait fait du bien. Pareil, j'aurais pas gagné 4 dips, hein, les gars. Enfin, si, avec la créatine, t'inquiète. J'ai même plus d'abdos là, c'est quoi ça? Ça va gros, tu te fous de moi ou quoi? Les gars, allez voir mes anciennes vidéos, les abdos ils étaient dessinés. Là il me reste que mes pecs qui sont mon point fort. Énorme. Je peux mieux faire les gars. Restez, activez la cloche, abonnez-vous, restez sur la chaîne, vous verrez. On va avoir un bon physique, on va rivaliser avec Bazinga. Et on va monter ensemble. On est à 4228 abonnés à l'heure actuelle. Il faut les 5K déjà très vite pour que lui se rase la tête. Ça bug. Toi, t'es en mode téléphone, là. Oh, mais là, ils veulent pas avoir tes photos de mais vacances. Ouais, j'avais envie de te montrer. Non, c'est pas mes vacances. Mais c'est pas coup, les miennes. C'est là où on va aller faire un vlog bientôt. Ils cherchent à faire diversion, hein, mais à 5000 abonnés, non, tu mais sais ça ce bug. Qui se passe. À 5000 abonnés. Le casque qui bug, regarde, ça bug. C'est clair. Allô, à 5000 abonnés, Pimous se rase la tête. Vous le savez, allô, les ça gars. Bug. Tout ça, ça part. Comme moi, regardez là. Ah, il l'a vu quand ça a coupé, il est bon. 18 minutes 23, ça va, ça vient juste de couper. Ça pour 5 on fois. Disait que Pimous allait se raser les cheveux, il était d'accord avec ça. À 5000 abonnés. Frère, t'as qu'une parole, t'as parlé. Moi, il y a 2 ans, il l'a dit. C'était il y a 2 ans, j'ai plus de voilà, parole. Il y a 2 ans, on a 200 abonnés. Il y a péremption, les frères. Il se dit que jamais vous allez nous faire confiance. Ah, vous voulez que je rase ma tête, 30 000 dans l'année, là. Sinon, non, arrêtez. Non, déjà, respecte ta parole. Il fallait qu'il y ait de la récompense, là, il y a zéro récompense. On avait 200 abonnés, il nous a dit
à 5000 abonnés, ouais, je me rase la tête. 5000 dans l'année. Parce que dans sa tête, il n'y croyait pas. Vous, vous y avez cru. 5000 dans l'année. Maintenant qu'on y est, dites-lui en commentaire qu'il se rase les cheveux. On n'a plus de parole. Il n'y aura pas de problème. Moi, les gars, c'est simple. Je perds un défi. Si j'ai parlé, j'assume. Et c'est comme ça que ça se passe. Il y a deux ans, c'est péremption, frère. C'est fini à péremption. Est-ce que tu avais mis date limite du jeu concours? C'est comme ça, c'est non, il n'y avait pas. Là, le giveaway, il y a une date limite. Vous avez jusque. Vous aviez 10 jours, je me souviens plus de la date exacte. Donc là, on a 19 minutes 19, et comme vous voyez, bah, Gigio, il prend le temps de boire de l'eau tranquillement. Il se met minéral, il se met bien. Je crois qu'il est venu faire sa petite séance de bronzage. Il regarde faire congestionner, il se fout de moi. Ah là là. Ça, il se dit, ah machallah, la congestion, comment je suis congestionné. Mais non, je sais que je suis éclaté. Je voulais même pas enlever le t-shirt, les gars. Je voulais pas le faire. En fait, les défis, là, j'en fais plus en ce moment, parce que je sais que physiquement, ça va plus. Déjà, les pompes, c'était pas terrible physiquement. Et là, c'est de pire en pire. Mais je suis en train de me remettre, de me recréer des habitudes, de bien manger, de bien m'entraîner, bien dormir, surtout le sommeil, là, avec YouTube, en ce moment, c'est compliqué. T'as pas fait exprès de faire pas beaucoup. Ah, moi, je suis à fond, là, moi, les gars. Moi, je pensais que t'allais faire plus, là. Ah, moi aussi, je pensais que j'allais faire plus. Ouais, mais après, je vous le dis, quand on regarde en vidéo, ça a l'air simple, ça a l'air très facile. Faites-le, et ensuite, parlez-moi en commentaire. Moi, c'est simple, dans les commentaires, je vais parler qu'avec ceux qui ont fait ce challenge. Parce que c'est pas facile, les gars. C'est pas facile. Mais après, comme je t'ai dit, peut-être que j'aurais pu reprendre plus vite et prendre moins de temps de repos, mais j'ai toujours peur d'aller à l'échec. Et si je suis à l'échec, j'ai peur de pas pouvoir reprendre et de m'arrêter, bah voilà, à 120 jips. Tu peux pas, tu te reposes au pire une minute et tu reprends. Hein. Ouais, mais j'ai peur de perdre trop de temps. Donc au final, je prends 30 secondes de repos, mais peut-être que j'aurais pu enchaîner plus vite. Moi, je fais le challenge là, je prends à manger avec moi, hein, pour prendre de l'énergie au passage. Et tu perds du temps, tu verras. Rien du tout, je mange pendant que je fais. Et vous verrez, les gars, faut faire le défi pour comprendre. Et moi, c'est en le faisant que je comprends que Bazinga, il est naturel. Je regarde que Bazinga est trop fort que... comment il s'appelle le double dragon? À chaque fois, j'oublie son prénom. C'est chinois? Ouais, c'est chinois. Moi, je connais le chinois, le blond. Je connais pas les noms. Ouais, mais les prénoms. Je connais pas moi, du tout. Moi, je suis abonné à son Instagram. Je connais absolument pas les noms, gros, pour pas te mentir. Il est où? Vas-y, je me souviens plus. Dites-moi, là, si on en... Si vous êtes dans les commentaires, comment il s'appelle? Newton aussi est très chaud. Eric Flagg, très chaud. Mais Eric Flagg, je suis surpris au niveau de ses pompes qu'il ait fait si peu. Vous voyez, il a fait des vraies pompes. Ah ouais, mais. On a fait des. Là aussi, il a fait des vrais dips. C'est normal, mais voilà. Là aussi, il a fait des vrais dips. Donc, c'est bizarre au niveau des pompes qu'il ait fait si peu. C'est différent. Il le dit dans sa vidéo, c'est un mouvement qu'il apprécie plus, les dips, mais bon. Quand même, ça me paraît bizarre qu'il a fait si peu sur les pompes et qu'il fasse un si bon score sur les dips. Les dips, que tu les termines ou pas, il n'y a pas beaucoup d'amplitude comparé aux pompes, je trouve. Nous, les pompes, on s'arrête quand même vachement avant les bodys. Fou, regarde, moi, excusez-moi, mais au niveau de la technique, j'ai écouté Eric Flagg qui disait de ne pas mettre d'à-coup avec ses jambes, contrairement à Bazinga. Bazinga, il s'aidait beaucoup de ses jambes. Je sais pas si tu as vu. Moi, mes jambes ne bougent pas. Je descends en dessous des 90 degrés et je remonte bras tendu. Vas-y, on va regarder un peu Bazinga, nous, juste derrière notre écran, au niveau de sa technique. Mais je sais qu'il avait une bonne technique, mais c'est pas les standards de regardez l'élan du bassin. Là, on a mis un petit plan, on est à 25 minutes de sa vidéo. Bon, c'est les dernières. Essayez de mettre à un quart de sa vidéo. Je vais mettre à là. Parce qu'à la fin, on a tendance à être fatigué. Il s'aide déjà ses jambes, regarde. Déjà, il fait un balancier avec son bassin. Et là, on a seulement 5 minutes de sa vidéo. 5 minutes, Bazinga, il commençait déjà à donner de l'élan. Mais je sais que même sans élan, il va me massacrer, hein, les gars. Je suis pas là pour essayer de le titiller un peu. Elles sont courtes, ces pompes, je trouve, ces dips. Non, il doit avoir des petits pas. Au niveau de l'amplitude, ça va. Mais ce qui me dérangeait le plus, c'est son élan avec les jambes. Moi, je suis resté sur les standards d'Eric Flagg. Ça m'aurait peut-être aidé de balancer les jambes. Bazinga m'aurait quand même battu. C'est juste pour être honnête. On relève ça chez lui. Et moi, là, c'est bien droit là, mes jambes. Bah, tiens, regarde qui c'est qui a fait le challenge traction. Ah, From Human to God qui s'attaque aux tractions en une heure. Au niveau des tractions, j'ai fait 300 tractions, il me semble. Donc là aussi, hein, c'est pas en une heure. En une heure. Eh, c'est compliqué, Bazinga, les gars. Il a fait combien, lui? 400, 500 en 30 minutes, 40 ouais, ça. Voilà. Maintenant, lui se fout de la gueule. Lui se fout de la gueule. Abusé. Bon, moi, en tout cas, tout le monde sait que je suis naturel. Ce temps-là, c'est un temps de mec naturel. L'année prochaine, je vais le refaire. Je serai toujours naturel. Je sais que je vais péter tous ces records quand même. Et voilà, vous êtes sûr qu'avec moi, il n'y a pas de produits bizarres ou quoi que ce soit.
Bazinga, il a envoyé 3 emails après. Et Bazinga, il est naturel. Hein. Oui, c'est oui. Juste que tout le monde dit, tout le monde a des doutes. Du coup, je préfère vous rassurer avec moi. Il n'y a pas de doute. Bazinga, il est naturel si tu lui enlèves 3 emails qui sont envoyés juste avant le challenge. Rien du tout. Les 4 peut-être ou 5. Pour moi, déjà, il n'y a pas un physique de body. Là, ses perfs sont trop. Après, je sais que ça se voit pas forcément. Il y a des boxeurs qui sont dopés. Ah, physiquement, ça se voit pas. Mais il n'y a pas que les boxeurs, il y a des body qui se dopent, tu sais même pas où. Ancien gymnaste de haut niveau, il a fait beaucoup de street, il met beaucoup d'intensité sur ses entraînements. Ses mouvements, il les connaît. Et la difficulté aussi sur ces challenges, c'est qu'on connaît pas. On arrive, c'est la première fois qu'on essaie de faire 500 dips en une heure. Du coup, on n'a pas vraiment de stratégie. Moi j'ai essayé de les faire 6 par 6 comme Bazinga. Mais toi, tu t'es trop reposé entre deux en fait. Ouais, regarde la différence. Pareil, tu peux pas savoir. On va regarder les secondes que toi tu prends entre deux. T'as moi le criquet là que je vois derrière, une full line. Ah, il a mis Bazinga juste derrière. Full line. Je suis encore à ma troisième que Bazinga a déjà fait 6 dips. Non, lui aussi, il les faisait par 6. Alors 5. Et là, il va prendre. Et voilà, il prend 15 secondes de repos, il y retourne. Moi, je suis encore en train de boire. Moi, je fais ma petite balade. Non, c'est compliqué comme challenge, les gars. Vraiment, vraiment. T'es déjà à 15 secondes de récup et t'as pas encore repris. T'es là, tu bois, frère. Ouais, tu veux des nuggets aussi ? Ouais, moi, je suis en mode hypertrophie, là. Je suis pas en mode compète. 22. Et c'est pas grave, les gars. Moi, je vous montre le pire temps que je puisse 25. Faire là-dessus. Et je le refais l'année prochaine. Et vous allez voir tout ce que je vais donner. 30 secondes de récup déjà, c'est énorme. Il a des gens qui... Je vous dis pas que l'année prochaine, je vais réussir à faire 500 dips en 30 minutes. Hein. Tu vas les faire. Mais je sais que je ferai mieux que ça. Tu vas les faire. J'espère bien. Tu vas les faire. J'espère bien. Ah, t'as pris 45 secondes de récup, gros. Ah, c'est abusé. C'est ouais, là, je me fais une séance, en fait. Là, je fais du volume. En fait, je pense dans ta tête, t'étais parti de base en mode je vais juste faire des dips, tu vois. T'es pas parti en mode compétitif. Non, les gars, pour être honnête avec vous, moi, je me suis dit je vais faire ce challenge pour essayer de ramener un peu de visibilité à la chaîne Fitness Fusion parce que moi, cette chaîne, j'y crois, je veux qu'elle marche. Et ce genre de challenge, ça ramène du monde. Hein. Bien sûr. Les gens, ils vont voir cette vidéo-là. Même si j'ai pas fait un bon score, bah, ils vont peut-être regarder ce qu'on fait à côté. Et vous savez qu'on fait du bon contenu, les mecs. Donc, partagez cette chaîne, faut que ça explose. Et moi, je peux te trouver une autre excuse si tu veux, c'est que ces barres, elles sont meilleures que les tiennes. Regarde bah ouais, sale, bah ouais. Dépasse, là. Bah oui, rien que ça, rien que ça. Non, je rigole. Y a non, pas mais d'excuse, la virée pompe, t'as une mauvaise prise là, rien que t'as une mauvaise prise ouais, déjà, je trouve. C'est ça, c'est de la merde. C'est une machine pour faire les relevés de jambes. Ouais, c'est pas pour faire les dips. J'avais que ça. Gros. À tout moment, tu descends trop ton épaule, elle tape le truc, t'es foutu, gros. Ouais, mais moi, c'est bien parce que ça permettait de voir l'amplitude, tu vois, c'est pour ça que j'ai appris à le faire ici. Au moins, vous voyez bien que je descends sous la parallèle. Car là, on a les deux en même temps, regarde la différence. Ouais, et lui, et sur les dernières dips, j'ai trouvé une meilleure technique, c'est d'envoyer le haut du dos vers le bas plutôt que simplement fléchir sur les bras. Mais ça, vous pouvez pas le savoir si vous n'avez pas l'habitude de faire des dips. Et Bazinga, regardez, il fait que ça. Envoyer le haut du dos plutôt que de fléchir sur les bras. Et puis, ça aide à fond. Part aussi du principe que lui, pendant le confinement, il n'y avait pas accès à une salle, il a fait beaucoup de dips. Ah, il a fait énormément de dips en free workout. Il faisait 10x10, il y avait aussi un banc à développer, il faisait du 10x10, tu vois. Moi, j'ai toujours fait du 4 reps sur mon développé couché, ça fait un an que je fais ça maintenant. Donc, j'ai bien progressé en force, je suis content, je suis pas fait pour faire ces challenges-là pour l'instant, mais je vais vite revenir. Je suis content que tu vas t'entraîner avec moi. Ah oui, en plus. Je vais pouvoir te fumer quand tu fais des pastilles. Vous allez le voir sur la prochaine vidéo, Basic Fit, c'est fini les gars, on vous en dit pas plus. C'est ça qu'on veut entendre. Mais c'est pour ça que je sais que l'année prochaine, je vais être au top. Donc là, on en a 27 minutes 23. Il reste 2 minutes 30 avant la fin de ce défi. Et on en est à 200 combien ? 230, 200, non 250 je crois, un truc comme ça. 250 dips, il me semble. Et pas top, hein, pas terrible. Moi, je visais au moins les 300 dips, hein, comme pour les tractions. 300, je trouve que ça reste raisonnable. Ah là là, c'est dommage, Didio, c'est dommage. Mais regarde, tu prends trop de temps de repos. Ouais, vas-y, gratte-toi. Mais c'est dommage, allez, je suis sûr que tu vas faire mieux. Et là, tu regardes le. Allez, il a fini, il nous montre son temps. Il y a 10 minutes 30, il en a fait combien ? 300. Il y a la moitié, 300. Plus de la moitié. Donc, nous, on est à 255 dips pour 28 minutes, les gars. Franchement, là, je commence à être dégoûté. Hein. Vous le voyez, je baisse la tête. Parce que je réalise qu'en fait, je suis très loin de son niveau, mais c'est pas grave. La mini-série Road to Bazinga sera d'autant plus intéressant en voyant que je pars de loin comme ça. Je suis sûr que quand t'as terminé, tu t'es dit, bon, j'ai pas fait le temps, mais Merli, j'ai fait une séance spec là. Ah ouais, je devais faire ma séance spec hein, ce jour-là, hein, c'est pour ça. Bah, c'est fait. C'était pec épaule de prévu, là, c'est parfait. Hein.
Est-ce que tu comptes quand même genre le rattraper sur au moins un exercice de force? Non, je te laisse je pense les performances. Tu peux le choper, moi. Ouais, mais je veux pas qu'on mélange tout. Ce sera plus intéressant pour les vidéos de voir que toi tu le rattrapes sur les perfs et moi sur le physique. Parce que sinon, je vais commencer à remettre mon ego devant. Là, ça fait un an que je travaille en force. Et bah, je vais vouloir remettre 140 au développé couché. Alors que pour faire du volume, les gars, moi il suffirait que je prenne 110 kg, 8-10 reps et ça sera très bien. Même moins que ça, t'as plus de pecs que moi, tu mets même pas les mêmes barres que moi, t'as 100 fois plus de pecs que moi. Bah déjà parce que c'est un point fort, hein, je vous dis pas de faire comme moi. Ouais, aussi, mais bon. Moi je sais que je suis obligé de travailler en lourd, sinon j'ai pas de pecs. Déjà que j'en ai pas beaucoup alors. Et voilà, là je crois que c'est bientôt terminé. En tout cas, on a bientôt plus de batterie, donc ça tombe au bon moment. On a 29 minutes. 30. Et on t'as pas ça, la luminosité. Allez, Gigio, bientôt terminé là. 30 minutes, franchement, c'était un challenge bien à faire parce qu'il n'était pas super long. Une heure de traction, une heure de pompe, c'était chiant. Après, presque 300 en 30 minutes, ça reste respectable, je trouve. 270, 200. Ah, moi, j'ai pas honte dans mon record. Hein. Je trouve que c'est correct. Moi, je mets au défi de Marvel de faire ses dips. Hein. Je sais qu'il sera pas loin de moi non plus. Il sera en dessous. Il a fait des siestes de 20 minutes pendant les pompes. Les gars, 300 dips en 30 minutes, vous vous rendez compte ou pas? Il y a des mecs, ils savent pas faire une dips. Ils savent pas faire une dips. Moi je sais que c'est un bon score. Après je sais que je peux faire mieux aussi. Et que c'est pas un score incroyable. En plus je sais très bien comment ça va se passer. C'est 95% des gens qui vont dire en commentaire c'est pas bien nanana. C'est des gens qui font même pas de dips, ouais, tu vois. On a une bonne commu, ça c'est les mecs qui vont... Mais il y en aura toujours quand tu fais plus de vues. Il y a des gens qui sont attirés, qui vont vouloir dire ça. Ouais, mais ces gens-là, s'ils ont pas apprécié. Bah après, ils font une vidéo, nous on la regarde, et s'ils ont fait mieux, tant mieux. Mais de ouais, sinon... toute façon, il y aura toujours des gens pour critiquer sur YouTube. Moi, ça m'intéresse pas, je m'attarde pas là-dessus. Tu vois, là, on est à bientôt 30 minutes de vidéo. Les gens-là qui nous regardent, c'est ces gens-là, c'est pour ces gens-là qu'on fait nos vidéos. Donc, merci d'être encore là sur la vidéo. Et c'est vos commentaires là qui sont importants pour nous. Les gens qui critiquent sans argument, ça m'intéresse pas, je calcule pas. Après, si c'est une critique constructive, là, j'écoute toujours. Sans dire rien. Hein. Salopard de merde. Ça va venir toi ou pas? Bon, là je suis blanc comme une couille. Bah t'es Kabyle. Ouais mais frère, Kabyle c'est soleil, tendu. Il vient pas. Non, il y a moins de soleil là-bas, c'est dur. Il y a un Bazinga même sur le bronzage, c'est bon. Ouais lui est bon. Abusé. Non mais lui c'est grave. Donnez. Bazinga, un défaut, juste un. Il ment. Il ment. Ouais, il ment. C'est ça son défaut, c'est qu'il ment. Non, il ment. Honnête. La tête de Choupi. Oh, honnête. Je l'aime bien après, attention, je l'aime bien. J'aime bien son contenu, il fait des bonnes vidéos. Ah oui. Des perfs respectables et tout. Mais je préfère les gens honnêtes. Ouais, mais tu peux pas savoir s'il est pas honnête. Eh, ça, c'est si, ton je avis, le sais, frère, arrête. Je le sais. Moi, je le sais, je veux rien savoir. Quoi qu'il arrive, c'est un bon gars, les gars. Ah, bien sûr. Et de toute façon, on saura jamais. Ça se trouve, il l'est, hein, mais bon. Donc là, nous, on a dépassé les 30 minutes. Hein. Ça y est, le challenge, normalement, il est terminé. Mais j'ai continué pour. T'as les 300 être... Non, pour être sûr. D'être dans les temps. Parce qu'en fait, je savais pas exactement j'étais à combien. Je m'étais fixé de faire 6 reps à chaque dips, mais des fois j'en faisais 5 et vous l'avez vu, 2-3 fois je faisais que 5 reps au lieu d'en faire 6. Ça m'a fait pareil pour les pompes. Donc j'en ai fait un peu plus derrière pour être sûr d'avoir le nombre exact. Mais dans ma tête, ouais, c'est vrai que je voulais atteindre les 300 pompes et en fait, après compte sur le montage, j'ai même pas fait les 300. 279 là, je crois que c'est bientôt terminé. Tu devais être mort. Pff, franchement, ça allait. Je peux faire mieux, faut que je prenne moins de temps de repos en fait. Mais je te dis, j'ai peur de pas reprendre derrière si je prends pas assez de temps de repos. Donc là, il y a plusieurs trucs qui rentrent en jeu, même le fait que tu sois levé trop tôt, gros, c'est dur le matin. On s'en fout, c'est des excuses ça. Regardez, Bazinga, lui, ouais, est parti au matin. Mais j'aurais pu en gratter peut-être une cinquantaine, une centaine de plus. Je suis même pas sûr. Il faut être optimiste dans la vie. Les challenges sur YouTube, c'est comme ça, c'est faut être prêt le jour J, faut la sortir vite parce qu'après les gens ils regardent plus, ils se lassent de ça, ils en ont déjà vu 3. Là, nous, on va être les 4e à sortir cette vidéo. Est-ce qu'ils vont regarder ma vidéo? Je sais pas, donc faut vite la sortir. Mais c'est là où tu vois que tout le monde ne le fait pas parce qu'il y a des gens qui se préparent seulement pour une vidéo. Et il y a des gens qui sont prêts toute l'année. Donc moi, j'ai pas peur de vous montrer quand il y a dans une période de ça va pas trop bien physiquement ou esthétiquement. Eh ben, je vous montre quand même et je suis prêt. Je montre. Allez, là, on a terminé, je crois. Je vérifie le temps, je crois que je vérifie la caméra. On a 33 minutes. Elle s'arrête pas la caméra en plein milieu? Bah, je l'avais rallumée tout à l'heure. Et là, c'est pareil, je vérifie qu'elle s'éteignait pas. Donc voilà, les gars, j'espère que cette vidéo vous plaît. Si je vous ai déçu, je suis désolé, mais je vous promets, restez abonnés, vous verrez. Je sais de quoi je suis capable. Cette année, j'ai focus YouTube. La muscu, je l'ai mis un peu de côté.
je me suis toujours entraîné, j'ai toujours mangé, mais sommeil, diète, en fait, c'est que je mangeais pas assez par moment. Pris par le montage, pris par l'engouement qu'il y avait autour de la chaîne, bah, j'étais moins focus muscu, hein, c'est tout. Hein. Mais grâce à Pimousse, on va se remettre dedans, physiquement je vais être au top, Fitness Fusion va être au top, et l'année prochaine on va tout casser. Hein. On a parlé sur la dernière vidéo, il y avait quoi de prévu? Road to Bazinga? Road to Bazinga, mais il y a aussi d'autres choses qui vont être mises en place. Comme quoi? Lui il fait les vidéos, il s'en souvient plus. Et moi j'ai trop de trucs dans donc, le cerveau. Donc il y a le Road to Compète que non, arrête Pimousse... d'annoncer des Road to Compète frère, parce que mes reins je les aime bien moi. Bah, mes reins, mon foie, j'ai juste... j'aime trop frère. Donc là, fin de vidéo, il digère grave bien 34 tout, minutes 19. Enfin, je sais plus exactement, mais en tout cas, il y avait 200... 198, je crois, un truc comme ça, j'ai vu. Ouais, on était très c'est proche sur le papier, des 300 là, j'ai mal pompes. Vu. Bah, l'objectif, 500 dips, et j'entourais, en fait. Ah, ok. C'était pour vous montrer que je comptais moi-même. Bref, donc Road to Compète, non. C'est pas pour maintenant, mais ça va arriver. Road attends, to Bazinga. Annonce pas que ça va arriver, peut-être que je vais rien faire ouais, du tout, parce que sûr. J'ai peur. Bien sûr, on annonce pour ceux qui découvrent la chaîne. Si, là. Éventuellement, un jour, je veux le faire, dit Poto. Voilà. Road to Bazinga, performance et esthétique. Ça, et c'est, ça va se faire. En ce moment sur la chaîne, mini-série sur le déconfinement des salles de musculation. Donc qu'est-ce qu'on fait Pimousse? On va tester toutes les salles. Voilà, pour voir toutes les mesures qui ont été prises après le Covid-19. Et il reste un truc encore. Il reste quoi? Attends. Retour. Non. Ah, un feat avec un youtubeur italien. Un youtubeur ah fitness. Oui. Ah, ça, je te l'ai mis. Ah ouais, mais on s'en fout. On va envoyer des mails. Je veux faire un feat avec un Italien et j'aimerais bien en faire avec plusieurs nationalités. Mais après, il faut se démerder avec la langue. On va bien, on va en Algérie. Un feat avec un youtubeur algérien, t'imagines? Ça défonce. En plus, il parle français là-bas. Ça sert à ça. C'est ma langue maternelle, je parle arabe, il n'y a pas de problème. Voilà, on peut se démerder. Voilà, tu vois. Donc, il y a tout ça qui arrive sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur les réseaux Instagram, à liker la vidéo. Twitter et tous les autres réseaux que vous connaissez. Partout. On est partout maintenant. On cherche TikTok. À y arriver. On va y arriver. Regardez-moi ce studio de youtubeur. On n'est pas bien. Je l'invite à la maison là, ça va être ici maintenant. Donc, il y aura des lives ici aussi, on fera des lives, il faut le dire. C'est vrai, il y aura plein de choses. Il y a une bonne code, donc il y aura des streams, c'est important. On veut être la meilleure chaîne Fit Game, on veut se faire une place dans le Fit Game. C'est ça. Donc abonnez-vous, merci d'être là. C'était Fitness Fusion de l'AFS. Nous étions en présence de Mousse et Didjo, force et fun. J'ai envie de mettre un coup de pied, mais je vais niquer mon bureau, frère.